Le 27 janvier dernier, Aya Nakamura dévoilait son nouvel album DNK. On retrouve des titres comme SMS, Baby ou Belek, déjà sur toutes les lèvres. Des titres qu'elle chantera sûrement lors de son prochain concert le 26 mai 2023 à l'Accor Arena. Le même jour que celui d'une certaine Beyoncé au Stade de France. Invitée sur le plateau de Quotidien jeudi 2 février 2023, l'interprète de Pocky est revenue sur la date de son concert qui a mis nombre de ses fans face à un dilemme insoluble, qui choisir entre elle et Queen B le 26 mai prochain? Un cas de conscience qui n'a pas échappé à Yann Barthès, vous faites la guerre à Beyoncé du coup? A demandé Cash l'animateur. Pour cause, alors que la vente des places pour le concert d'Aya Nakamura a été ouverte le 9 janvier dernier, l'interprète de Run the Earl, Girls, a dévoilé ses dates le 1er février. De quoi en vouloir à sa némésis américaine. Pas question pour Aya Nakamura, qui se revendique elle-même big fan de Beyoncé, mais non, je fais pas la guerre à Beyoncé, pas du tout, pourquoi vous dites que je fais la guerre à Beyoncé? Et son hôte d'insister, mais regardez les dates. La star a alors répondu avec beaucoup d'humour, non si est elle, qui me fait la guerre, note de la rédaction, parce que moi je l'ai dit en premier.